En tout cas, je vais commencer ma conférence, d'accord? Tansi ne vichyaga na? Tansi. Kirinasko mitna wakita kido, itasi guta kapi, kikipin temi tapi ya chumus kataga umsi isi alwuts kagi isi gake. Nenichiwaga mari karya, aitoe da mina oma isku, University of Alberta kaisi de gati, mina oma utino, Edmonton kaisi gati. Kidewa mina kirinasko mitna oma. Kinasko mitna amina Canadian Literature Center. Henry Kreiser amina amina mistene ninasko ma adis edigo isa kagi siwatsat. Edigo isa kagi sari tak uma esko. That's how we say school in Korean. Esko. Kinasko mitna da kita ki agakaita sigo ta kagi pintumi tapiachi mostata gom sasemilom siise. Koyesemili vidi. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. La première chose que je voudrais dire avant que je commence ma conférence, véritablement, est de vous remercier de m'avoir invité à présenter cette conférence ici à l'Université d'Alberta, ici dans la belle ville d'Edmonton, ici dans la belle ville de la belle province d'Alberta. Je voudrais remercier surtout la belle et super gentille Marie Carrière qui a travaillé tellement fort en organisant cet événement, un événement tellement spécial. La ville d'Edmonton est chanceuse d'avoir quelqu'un comme elle parmi ses citoyens. Merci, Marie. Merci également au Centre de littérature canadienne et grand merci finalement à M. Henry Kreisler, un vrai visionnaire, d'avoir contribué d'une façon tellement réelle à la richesse culturelle et intellectuelle de cette ville. Un vrai visionnaire, je dirais. Puis on le remercie. Mais quand même, c'est toujours un immense plaisir pour moi d'être là, d'être avec vous, d'être parmi vous, ici, dans une des institutions d'éducation la plus respectée et admirée au Canada, et finalement, au monde. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, friends. The first thing I'd like to say before I start my lecture in earnest is to thank you all for inviting me to your beautiful and sexy city. Especially the very kind and talented Marie Carrière, who has worked so very hard to organize this event, who has worked so hard, very hard at making sure that everything worked out just so. And by the looks of things, I think she's done a very good job because I see a very full house out there. Edmonton should consider itself lucky to have such an asset in its midst. Chapeau à Marie. Second and last, I would like to thank also the Canadian Literature Center for receiving me so kindly. And last, a huge thank you to Mr. Henry Kreisler for having contributed in a manner so significant to this city. Always such a pleasure for me to come here and hang out. Bon, et maintenant je vais commencer.